Salut à toi, bienvenue sur Crazy Big Bet. Aujourd'hui, je te partage un bon plan. Un bon plan, tout simplement, c'est ça. Ça s'appelle un décroche-leurre. Quand ton leurre, il est accroché dans le fond ou sur une branche ou dans de l'herbier ou autre et que tu es monté en ultra léger, donc avec un bas de ligne super léger, t'oses pas tirer pour retirer ton leurre parce que tu sais que ton bas de ligne, il va claquer et que tu vas laisser ton leurre au fond. Du coup, il existe des accessoires qui sont vraiment très sympas et qui sont vraiment pas chers. Donc dans cette vidéo, je vais te présenter un accessoire pour décrocher tes leurres du fond et surtout faire des économies. Je te mettrai également le lien vers des sites marchands type Wish, AliExpress, où tu vas pouvoir acheter ce décroche-leurre. Et honnêtement, à peine tu auras sauvé ton premier leurre que tu auras rentabilisé ton achat. Donc suis bien cette vidéo, regarde-la bien en entier s'il te plaît. C'est vraiment la seule chose que je te demande, c'est super important, tu la regardes en entier. Ça me donnera un coup de main pour mon référencement. Donc voilà, je vais te présenter un décroche-leurre que moi j'ai acheté à AliExpress. Ok, donc une fois que tu auras commandé ton décroche-leurre et que tu l'auras reçu, ça va se présenter sous cette forme-là. Tout simplement, un packaging comme ça, avec une bobine de fil et ton décroche-leurre. Bon, ben, tu auras juste, la seule chose à faire, tu auras juste à raccorder ta ficelle au décroche-leurre. Donc, c'est pas bien compliqué, tu fais un nœud de pêche et tout ira bien. Fais un nœud assez costaud parce que le but, ça va être de tirer sur la ficelle pour décrocher ton leurre. Donc, juste pour info, la ficelle, c'est une bobine où tu as du... la ficelle, c'est du 0,66 mm, mais elle a une résistance de 80 kg. Donc, c'est quand même pas négligeable. Garde bien la bobine, tu devras toujours garder ça correctement enroulé dans ton sac parce que quand tu vas l'utiliser, tu tiendras ta bobine dans la main et puis le poids de ton leurre, lui, va le faire descendre tout seul et puis tu dérouleras ta bobine. Donc, dans une main, tu auras ta canne à pêche et dans l'autre main, ta bobine. Et puis, le poids du décroche-leurre lui-même fera que ça avancera et ça fera dérouler la bobine. D'accord? Donc ça, ne t'amuse pas à mettre ça sur un carton, enroulé sur un carton parce que c'est plus plat, ça prend moins de place parce que quand tu vas devoir le dérouler, imagine un carton, c'est un peu comme les cerfs-volants, tu as ton truc, clac, 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 ça ne se déroule pas très bien. D'accord? Donc, le décroche-leurre lui-même, c'est un accessoire qui est en métal. Et au niveau du poids, j'ai pris une balance là pour peser combien il pèse. Il fait 68 grammes. 68 grammes, c'est déjà pas mal parce que avec la longueur de la ligne, il va prendre de la vitesse et puis il va descendre. Le but de ce décroche-leurre, en fait, c'est tout simplement, grâce à son poids, de descendre le long de ce fil. J'ai pris, alors j'ai pas mis un bas de ligne en fluoro parce que sinon tu le verras pas. J'espère que tu verras, j'ai mis une tresse verte. Donc, le but du décroche-leurre, c'est en fait, tu vas le passer dans les anneaux. Là, je te montrerai comment. Et puis lui, il va descendre. Donc toi, tu auras ta bobine en haut, tu vas la laisser dérouler. Et puis le décroche-leurre, il va descendre, descendre, descendre. Et avec le poids, première chose qu'il va faire, c'est qu'il va taper dans le leurre. Il va taper dans le leurre. Et avec son poids, souvent, si tu n'as pas ferré comme une brute au moment où ça s'est accroché et que tu es resté, parce que là, c'est sûr que si tu as enfoncé l'hameçon et qu'il a traversé la branche, tu ne sortiras plus. Mais si tu es resté accroché et tu n'as pas trop tiré, lui, avec le poids de lui-même, il va descendre, il va taper le leurre et puis il va le décrocher tout simplement de son support. Souvent, c'est juste la pointe de l'hameçon qui est accrochée. Donc lui, ça suffira juste de le taper. Après, comme tu as la ficelle, toi, tu pourras toujours le remonter, le laisser descendre un petit peu, tac, tac, tac. Tu essaieras plusieurs fois. En général, ça décroche bien la première fois. Et si ça ne va pas, ben, on va passer à une autre façon de faire, quoi. D'accord? Donc, le décroche-leurre, je le présente, il est comme ceci. Il est doré. C'est pas de l'or, hein, les gars. Et puis, simplement, tu as une boucle pour passer ton fil, des accroches dessus, des accroches dedans. Donc, en fait, le but, ça va être de venir et d'englober ton leurre comme ça, d'accord? De le taper pour le faire sortir. Et puis sinon, tu vois, hop, il s'accroche à l'hameçon et tu pourras tirer. Et puis s'il faut, ben, ouvrir l'hameçon, quoi. Mais tu vas récupérer ton leurre. L'avantage de faire ça, c'est si tu ne pouvais pas le faire, ça, avec ton bas de ligne, forcément, ton bas de ligne, si tu t'amuses à tirer dessus, il va casser. Là, tu as 80 kg de force sur ta ligne. Pardon, sur ta ficelle. Donc lui, quand il va descendre, ça, il va venir, il va taper, soit ça le décroche, sinon tu le relaisses descendre, tac, il chope l'hameçon et tu le tires. Alors, soit tu pourras faire casser la branche du fond, tu
si c'est une herbe, c'est pareil, ça va te permettre d'arracher l'herbe du fond, hein, tout simplement. Donc, franchement, je dirais que 8 fois sur 10, tu vas sortir ton leurre de l'obstacle sur lequel il est accroché. D'accord? Donc, c'est vraiment, vraiment très, très pratique. Ça prend pas de place. Bon, par contre, c'est sûr, ça te pèse 70 grammes, là, 68 grammes dans la poche ou dans le sac. Mais franchement, ça a vraiment, vraiment son intérêt, quoi. Donc là, tu vois, ton leurre, il est à peine accroché comme ça. Des fois, tu n'oses pas tirer pour qu'il se décroche, hein. Donc, c'est sûr que s'il est bien accroché, là, tu vas tirer, tu vas tout casser. Donc, je vais te faire une démonstration et puis on va voir ensemble le côté pratique de la chose. Avant de te faire la démonstration, je vais déjà t'expliquer comment tu vas passer ton bas de ligne dans les anneaux là. Parce que le but, ça va être de le passer dans celui-là et dans l'autre d'après pour que lui, il puisse coulisser tout le long. Bon, la technique, elle est toute simple. Tu vas prendre ta ficelle, pardon, ton bas de ligne, tu vas le passer sous les boucles là. Et puis, ton doigt, tu vas le passer dans le carré là. Tu vas récupérer ton bas de ligne et le repasser par-dessus. Et tout d'un coup, regarde, tu vois, ton bas de ligne, il est bien dans les anneaux. Donc là, après, tu n'as plus qu'à le lâcher. Et avec, comment dire, la pente de ton bas de ligne, de ta ligne, et bien en fait, quand tu vas la tirer un petit peu avec ton moulinet, et bien tu vas pouvoir laisser coulisser le décrocheleur dessus. Donc lui, tu vois, il va bien coulisser là-dessus, il va descendre, et puis il va taper ensuite le leurre. D'accord? Donc ça, c'était la façon de passer ta ligne dedans. Maintenant, une fois que tu auras décroché ton leurre, ben l'astuce, ce sera de faire le chemin inverse. C'est-à-dire que tu prendras ton bas de ligne cette fois-ci vers l'intérieur, tu le repasses à l'extérieur, et du coup, hop, ça sort tout simple. Ça sort tout simplement. Donc tu vois, la technique, hein, c'est vraiment très simple. Tu as ton décroche-leurre, tu le passes dans la boucle, tu passes le doigt dedans, tu récupères ton bas de ligne et tu le repasses au-dessus. C'est presque, j'ai l'impression de vous apprendre à tricoter, les gars. Donc. Et ensuite, pour le défaire, tu reprends ton bas de ligne, tu repasses vers l'extérieur et tu le sors des anneaux. C'est pas plus compliqué que ça. Allez, on passe à la démonstration. Voilà, donc là, je te fais une mise en situation, mais dans le pire cas possible. Ça veut dire que ton leurre, il est accroché dans le fond à une branche qui est accrochée au fond là, et qui bouge pas, d'accord? Et il a carrément, tu vois là, la petite pointe, il a traversé la branche. Ça veut dire que tu pourrais jamais le sortir avec un bas de ligne léger ou même un 2-3 kilos. Hein. Jamais tu le sors, tu casses ton bas de ligne. Soit, donc là, il y a deux solutions. Soit on arrache la plante, soit on ouvre l'hameçon, soit la plante, elle se déchire. Mais on n'a pas d'autre solution. Donc là, le but, j'ai accroché moi la ligne à la balançoire là-bas. Donc je vais laisser descendre le décroche-leur. Je souhaite qu'il s'accroche là dans cet hameçon-là et que je puisse forcer pour arracher ça. Alors on va essayer de faire ça. Allez, c'est parti. Voilà, donc comme tu peux le constater, ce produit, il est vraiment, vraiment super sympa. Parce que vraiment, tu as vu, j'ai carrément arraché, il faut dire ce qui est, j'ai arraché mon leurre de la plante. La plante, elle s'est déchirée, elle a cédé. J'ai même pas ouvert mon hameçon, mais en tout cas, j'ai récupéré mon leurre. Un hameçon, c'est pas très cher, hein. Il vaut mieux changer l'hameçon que perdre son leurre. Donc cet article-là, c'est pas cher, ça vaut 9,60 € sur AliExpress. Je vais te mettre un lien. Bon, clairement, tu vas regarder sur AliExpress, sur Wish. Je te mets quand même en garde. Fais attention, il y a certains vendeurs qui ne sont pas corrects. Donc, renseigne-toi quand même, regarde les avis des vendeurs. Parce que c'est sûr, tu vas en avoir à 18 euros, à 12 euros, à 9, à 3 euros. Mais tu vas avoir 8 euros de frais de port. Ou alors, c'est carrément une arnaque. Le mec, il a des sales notes, il n'envoie pas. Donc, bon. Après, le risque, il n'est pas énorme. Au pire, tu perds 10 balles. Mais franchement, moi, j'ai reçu, j'ai pas eu de problème. Donc voilà, ça, c'est un super produit à toujours avoir dans ta boîte de pêche. Et puis, du coup, à partir d'aujourd'hui, à mon avis, tu vas arrêter de laisser des leurres dans le fond. Parce que franchement, c'est un budget. Moi, j'en ai complètement assez de pêcher, de laisser des beaux leurres. Alors, quand tu as tes leurres fétiches et que tu les laisses dans le fond, franchement, tu n'as pas vraiment gagné ta journée. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu.
que toutes mes vidéos de tutos, de tests, vraiment, elles t'apportent quelque chose, dis-le-moi, tu peux me laisser un commentaire et puis me dire si vraiment mes tutos, ben, ils servent à quelque chose et si vraiment ils t'apportent quelque chose. Cette petite info-là, ce petit décrocheleur, je ne l'ai pas trouvé tout seul. Je pêchais dans le 54. Le jour où j'ai attrapé le silure, là, tu peux retrouver ma vidéo, une des dernières vidéos où j'ai pêché le silure, j'ai rencontré un jeune pêcheur et qui m'a présenté ce produit, qui m'a dit hey, regarde, ça c'est super et tout, on discutait, on a bien papoté. Peut-être qu'il s'est abonné à ma chaîne, puisque je lui en ai parlé. Et donc si tu me regardes, je te remercie du bon plan. Et à mon tour, tu vois, ben, je le partage aux autres. C'est juste un petit retour d'expérience. Et puis encore merci à toi de m'avoir parlé de ce décrocheleur. Donc voilà, c'est un super produit. N'hésite pas, fonce, tu peux le prendre. Tu laisseras plus tes leurres au fond, quoi, tout simplement, quoi. Voilà, bah écoute, j'espère que cette vidéo t'a plu. Encore une fois, n'hésite pas à la liker, à t'abonner. Il y aura d'autres tutos, il y aura d'autres bons plans, d'autres partages d'expériences, et puis d'autres bonnes parties de pêche, bien entendu. Donc, petit dicton de la fin, prends ton Crazy Lure Retriever et fonce à la pêche, tu vas plus perdre tes leurres. Allez, à plus, salut.